Hey, salut à tous, c'est Grapha Igocraft et bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous fais un petit Vlog 6. Là je me trouve dans la zone encore une fois à Lisbonne pour mon stage. Nous sommes en plein week-end. Je crois même que nous sommes le 1er mai. Ou le 2, je sais plus. Sinon donc je vous fais ce vlog rapide. Hein, parce qu'apparemment ça va apprécier certains. Le vlog que j'avais fait juste avant en visite. Visite du fort, c'est aussi pour vous expliquer deux choses. Alors premièrement, il y avait longtemps, j'ai dit que j'allais commencer une nouvelle chaîne qui allait être sur la team Evolution. Nous avons eu quelques problèmes sur le fait de l'absentéisme de certaines personnes, mais ça c'est pas trop grave. Hein. C'est comme ça, quand il y a des personnes qui ont leur bac, ils doivent bosser. Donc j'ai décidé de reprendre les vidéos que j'avais mis d'abord sur la team Evolution, qui n'est autre que des vidéos sur Bastion. Je dis encore que c'est la team Evolution parce que c'est quand même une vieille série que j'ai commencé à faire. J'ai à 4 épisodes, mais je pense continuer un petit peu. Comme ça permettra de remplacer les zones absentes, là où je ne pourrais pas vraiment faire de vidéos. Je verrai qu'est-ce que je peux en faire avec ça. Je vais essayer de les mettre sur ma chaîne. Je vais essayer de faire tout mon possible pour que vous ayez au moins un peu de contenu, même si c'est une vidéo par semaine. J'ai aussi plein de projets qui sont en cours. Donc ça avance petit à petit. J'essaie de faire des trucs sympas. Donc là, je suis juste en train de marcher. Je suis juste en face d'un truc de Microsoft. Je sais pas si on va pouvoir le voir derrière, là. Microsoft. Donc là je suis du côté du port hein, à Lisbonne. Bon, je m'égare un peu, désolé. Alors c'est surtout aussi pour avoir la deuxième partie de cette vidéo. Je suis à une semaine d'un événement donc ici à Oriente à Lisbonne. Il s'agit en fait de Iberanime, qui n'est autre qu'un événement exemple même de polymanga ou de la Japan Expo, c'est la même chose sauf que c'est Iberanime. Voilà, c'est pour Lisbonne. J'ai pris les deux jours, je pense faire des vidéos, ou si c'est pas possible je ferai des photos. Là il y a du vent ici, et voilà, je profite aussi de ce jour pour vous faire ce début de vidéo parce qu'il fait beau. Je sais pas si Iberanime il fera très beau, donc je sais pas si je vais pouvoir le faire. De toute façon c'est dans une grande salle hein, qui a quand même un total de 2 à 3 étages. J'ai pas encore été dedans. Mais j'ai pris les deux jours. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà. En attendant, je vais vous faire un petit tour comme ça. C'est un peu plus loin que Iberanime. Mais c'est très joli. On dirait qu'il y a une espèce de forêt avec des palmiers partout. C'est vraiment très très beau. Bon. Je fais ça rapidement pour éviter que ça vous gêne plus longtemps. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, c'est le jour J. Alors, il n'y a rien à dire, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a une queue qui est assez longue. Je verrai bien quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer. Bon, je vise encore très très mal avec ma caméra, comme d'habitude. Mais regardez-moi ce monde. Il y a une queue de folie, et ça part jusque par là, quoi. Bon, ce ne sera pas dans ce grand bâtiment, comme je le pensais au départ. Apparemment, ce sera dans un petit bâtiment. On verra bien. J'ai déjà trouvé la queue. La fin de la queue. Ouais, j'y suis. C'est juste ici. Donc, je vous reprends. Je pense que je vais faire des petites photos plutôt que des vidéos parce qu'à mon avis, il va y avoir du monde. On verra bien comment ça va se passer.
monde. Alors là, je suis en train de manger parce que après avoir marché quasiment pendant 5 heures en ce brouhaha, un peu de repos. Et pour ce midi, c'est les ramen. Ouais, je mange ça. Et voilà, donc c'est la fin de cette première journée. Il y avait le chanteur de One Piece. Oula, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Il y avait le chanteur de One Piece qui était là, donc je vais vous montrer quelques morceaux qu'il a chantés. J'ai été un peu en retard. Mais il revient demain, donc j'espère pouvoir le prendre son concert en entier cette fois-ci, être bien placé. Parce que là, j'étais tout au fond. Alors je vous dis, quand vous entendiez chanter la vraie musique de la voix d'une personne qui... C'est grandiose, sincèrement c'est grandiose. One Piece c'est l'un de mes mangas préférés. Et là sérieusement, c'est un très bon chanteur. Bon allez, à demain! Deuxième jour, c'est parti. Bon bah là on passe sur un côté un peu plus moins mouvementé que hier. C'est plus ou moins intéressant. Les origami, ainsi de suite. Les plantes japonaises, c'est un peu la culture en fait. Voilà. Petite démonstration. Bon, c'était une petite démonstration. Bon, nouvelle démonstration, c'est un sans combat. Oh!
J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Normalement, ça devrait être sous fond musical, même si c'est plusieurs photos. J'ai pas vraiment pu filmer, sauf bien sûr la partie concert. Mais je pense que le concert, je vais faire un épisode à part. Parce que je sais pas si j'ai vraiment le droit de poster le concert. Donc on verra bien. Allez, ciao tout le monde. Bye. N'hésitez pas à vous abonner. Et ainsi de suite.